De peur que de mal, Tata Mokambi Ekolo Azali en très bonne santé. C'est vrai qu'en convalescence, qu'on a en Belgique, Bessica Azouami, Lobby Moleki, a Pesaki interview, na ba confrère en Abisho, y a Radio Top Congo, Bessica Wapi, Alobaki, moi, Makambo Ebele, moi, Mingi Kasezala qui espoir, Peko Terre, ba rumeur sur état de santé, y a Moko, y a Yambo Kati, Nabisho, le président. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyala ki kozonga na mboka très prochainement parce qu'il est près déjà il y a kozonga pona ko servir bana Congo bande ko balandi mbote na bino esika so bozi ba ko kolanda biso na Kinshasa na ba province na biso to pe li bande ya mboka mbote na ba diaspora nyonso bazokoba ko soutenir biso li banda ya mboka tous ensemble le Congo notre mère patrie alors to fungola manaka ya lelo na maitata Mokambi alobaki lobi na fond ya message na ye s'il faut retenir quelques points esengeli koyebaki akolo kosolola kasi ya ko négocier te na criminel Paul Kagame azali bongo na lisolo na ye kosenga que atika mabele na biso kasi na mayematali M23 akotikalaka ni kosolola ni ko négocier na ba troupe terroriste esengeli koyebaki na mayematali c'est le fait tata Mokambi Ekolo lobi bango nde basenga ki c'est le fait bango banani le Rwanda nde asenga ki c'est le fait et la FCC Kabila to Alliance Fleuve Congo nous en parlons au cours de cette émission pourquoi il n'y a pas de poursuite contre l'ancien chef de l'État puisque le président Tshisekedi l'a dit il faut le croire maintenant tout est clair. Pourquoi il n'y a pas de poursuite na à contre il y a Tata Mokambi Ekolo il y a Kala Mozindo ya Malobanaye au cours de cette émission nous avons avec nous sur ces plateaux bandeko ba confrère journaliste na bangotoro ya ko Maniola Penza la Mozindo ma Tata Mokambi Ekolo aloba ki lobi kastoro beta moi tour pena sena bisika election ezali ko bonga ma trois noms pour la maïmatali présidence ya Sénat. Kasimbutu Mbutu Moko, Esale Makilobi, Sen Moko et Tungisa Kibala Mboka Kongo, na temple ya démocratie. Deuxième institution ya Mboka, Kami Balé, ya parti politique au pouvoir, va s'affronter. Pourquoi nous allons aussi essayer de puiser, de creuser qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut encourager ce genre de comportement? Pourquoi? Désacraliser l'État, Pema Institution Amboka, nous en parlons. Nabandeko, Bazanabiso sur ces plateaux, mon Amboka, Henri Chimbalanga. Mbote, Peboyebola. Merci Ming pour l'invitation, pour l'opportunité, Oyaoya, Koutanana, na confrère Nanga, pour l'Isolo, Italie, Mboka Nabiso. Actualité Zali, Moto Makasi, sujet au Tchelibiso, Nakanisi. Tokosala effort, nzamba sunga biso, totali sa penza, na ndenge ya buke binyonso, lo lenge nini, kongole sengeli, aye bana ko évolue par rapport à mboka na biso nenge za okende. Déjà, d'entrée déjà, sortie médiatique à Tata Mokambi Ekolo, c'est pour couper fort court aux rumeurs, comment est-ce que yo yamba ki yango, comment on a Tata Mokambi Ekolo, oh ba sou souba annonça ki na ebite azo kendo go koufa, mourant, boye na boye, mais au monye, nzo to makasi, na eba etando eke, sa ki yo sentiment li bosu zala kenye. Na kanisi ke, na ba moma ya boye, Congo eza loko la histoire na biso, izongaka. Mais il faut que Congolais fassent la très attention. Na moment ya bouye, azamu tout d'abord au départ, c'est-à-dire nous autres nous koko connaître ba kokoso na ba charge wana mutu ala la basu pongi loko la tangwazalaka liberté au comité butu faut ça musala nyonso wana yaka ko jouer na organisme ya mutu. Mais en tant que patriote eza souhaitable ata mokete ke na bangonga ya boye tokutana na sango ya mabe po ba kongole na l'air moko bango baza ko se comporter kaka opposant to partisan tina ba moment moko très délicat boye po ani na lobi ndengwana
Ozoye batango Maréchal Mobutu abelaka makasi. Mais total a quand même comportement Étienne Tshisekedi lokola ba leçon. Leçon ezakaka oya zai ko loba na malobati mais même comportement na ye. Mais Étienne Tshisekedi en dépit a nyonso Mobutu a nyonga ki. Mais a ke kota la e ba solo li pa lobi na biso tuke bo sambela Mobutu a kufa kunate azonga poto bongisa mboka pamba te mboka ko risque ko échapper biso. C'est la même chose. Na moment où le pays n'a plus besoin na kati ya direction moko tozoko ka ko maîtriser te. Et ça on dirait déjà balkanisé, on dirait nanu te, donc toko ka ko maîtriser en côté. Donc olinga Tshisekedi, olinga yete na moment oyo c'est pas souhaitable que ndenga ke wana ke ndeko kufa pour payer ko ya ko échapper biso sans que toye bana ndeni na ko maîtriser. Azana nous vivons, mais talandenge makambo eko lekana na kati d'abord ya capital ao. Tozo mona, l'air moko lokola, l'état zalakate, tala même tina ba procès. Ozo mona ka ke y a un sérieux problème. Alors on a ba moma ya bo eko souhaite que akufa potam sous na lingyete, te za lokola na on comprendre te danger ni nyo ezali, ko face ya République démocratique du Congo na minito. Donc pour nanga, c'était aussi une bonne chose pour nako atténuer un peu rumeur. Bah, une sortie médiatique très précipitée selon le... Oui, c'est pour le besoin aussi de la cause. Pour na eko kana nuko tchamboka quand même mboke telema. Mboke koma eko kende. Et les gens pouvaient se permettre de tout par le fait que au akei, balobi azo tambola soute, azo suna mobilité te, silipo na e tout ça. Alors, na esprit a ko gérer bat. Parce que la politique, c'est la gestion des personnes. Avant de gérer biloko, fona non kouye ba gérer bat. Alors, nakanisi que c'est un élément qui vient dans un moment opportun et puis en a tina na yango pour na y rassurer nan bat. Bazongi sa makanisi, touye banan ko kendiga na sens moko ti, toko mona na ndenini, toko souka pour que mboko ya ko échappe bisote na ba désordre moko inconnu. Oh, très bien, moi, je suis un peu comme Jean Mubinga, aux Anabiso. Je suis un présentateur, journaliste, personnalité politique, comme un bon patriote pour Mboka Mingi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Ndeko Naomi, Naza patriote, journaliste, personnalité politique. Nous sommes toujours en étant d'abord patriote. Pour la Rosa la journaliste, Rosa la toi ça la mon bon, Rosa la nyonso. Mais ce que l'ingimbo kanote, ezali etumbu munene, c'est une haute trahison parce que tu as une identité qui est collée à la nation. Tout ce qui se passe dans le pays doit t'intéresser, doit t'interpeller. Rosa la te biso na chiluba torobi bichiki la tuboye. C'est-à-dire et indaka rebe bakaka. Non, on ne fait pas ça pour sa patrie. Il y a trois choses à préserver. Son Dieu, sa patrie et sa famille. On ne négocie pas. Quand on arrive à ce point-là, on se dit où ça passe, où ça casse. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est. Nous voyons comment les gens sont en train de se créer des blocs dans le pays. C'est une grosse erreur. Ça profite à l'ennemi. Comment ça développe? Mais il y a ceux qui souhaitent que Tshisekedi échoue, il y a ceux qui souhaitent que Tshisekedi réussisse. Ok. Vous comprenez? Et ça, c'est un danger quand la nation est sous la pression de l'éclatement. C'est le projet, c'est depuis Lumumba, il nous a dit que l'éclatement du Congo, c'est demain. La balkanisation. Donc, ces projets continuent à ramper depuis les années 60. Les mêmes grands-parents qui avaient conçu ça en Belgique, les libéraux et la gauche américaine, continuent ces projets avec leurs enfants aujourd'hui. Ils risquent de léguer à leurs petits-fils. Bisous, on dit, mais on dit, tout ce qui est déjà projet, mon bimba. Félix Azaramala, Mazaramala, Mouté, toujours soutenir, parce que Aza, au moins, côté les Melabango. Nabama Solonio Soana, depuis Abandi Moussala, en 2019, on ne fait que l'aborder sur cette question. Andima Atika, Makamboane Salem, Mboka Ekabouane.
Ils l'ont convaincu. Ils sont, il a dit, pas question, c'est mon pays. Vous venez, nous nous asseyons, nous travaillons ensemble. On ne peut pas laisser au Rwanda une partie de terre. Demain, ce sera, vous allez me demander qu'on laisse à l'Angola une partie de terre. L'Obikune Gozala, Zambie a joué une partie de terre. Finalement, le pays ne va plus exister. Vous avez besoin de ce qui est chez nous. Venez, on s'assoit, on parle, et vous gagnez, nous gagnons. C'est ça le terme gagnant-gagnant. Il n'a pas dit ça comme ça. L'ancien président nigérien, Olusegun Obasanjo, voilà. Tata wana mubimba naye ayaka awa na Congo, kapona convaincre Félix atika mboka eza landingi wana. Eza bangona ba tabombeki. Mouni tango wazala ki na Rwanda dernièrement, akome oloba maloba moko boye. Ba yebi eno baza osala biso. Biso pe tosto. Aboyi option militaire. Aboyi. Alibo kende bo solo la ondima okuka bitumba ngote. Po biso nyo soko kota kote a Rwanda tobuto la yo nene. Olingi bo konzino ezala, ubi olingi, oza na parti, me otika parti oyo. Ah, mais ça ne peut pas se faire. Ça ne se fera pas. Négociation exacte. Même langage, quand on a ONU, même langage, quand on a secrétaire d'État américain, même langage, quand on est pas Lorenzo, ouazan ne kona biso, ouazan makila na biso, yaba congolais. Complot, ça déjà l'équipe mon ennemi. Naye biso e bana Lumumba. Lumumba zan asali. Lumumba a pris la primature le 30 juin. Déjà en septembre, Bakangi. Le monde n'a même pas fait 3 mois. Mais na 4 à 3 mois, on a yébi déjà complot. Oyo, ezala ki yake ba balkanize mboka. A déclaré qu'effectivement, il a dit le plan de la balkanisation du Congo est déjà mis en marche. Oui. Mis en marche. Il n'a pas parlé au futur. À l'objet à ceux qui savent l'éclatement du Congo, c'est en 1960 déjà. Oui, oui. Maman. Il n'a pas parlé au futur. Eh hey, Félix, à Tekimboka. Mboka, on va à Tekimboka combien de fois? Tant qu'on a 2019 à Tekimboka. En 2020 à Tekimboka. Ti le lois au Tekimboka. Parce qu'on a pris 3 territoires dans l'Est. Mais Lumumba nous a dit, en 60, Mobutu n'était même pas encore au pouvoir. Cela veut dire que ce plan est même générationnel. Ce qui est congolais a fait pour à réfléchir sur. Comment nous pouvons mettre fin à l'aventure Oyo? Au fond, il y a Kindoki, donc autour de là que je me mette. Eza Yango. Tu as changé 1000 présidents. Plan Wane Gozala. Mobutu a fait 32 ans. Les plans étaient toujours là. Tant que les mi Mobutu Babi Kende. Mobutu Babi Kende. Babi Kende. Mobutu a refusé. Tu es malade. Tu as capacité à côté malade. Tu es malade pour ne pas dégager. Ils le font partout. Bato aseya wana baza bato te. Ceux qui baza n'ont d'accord te ba oluga médecin pas ba longo le sou ba koki ko boma yote. Alors au moins tenda ba raté Trump. Bangot directrice na bango aseya a démissionné parce ba yeba ki plan ba raté le kambo na bango. Donc ba congolais il faut tous être lucide. Il faut pas total parce que c'est Félix. Non, Félix n'est pas éternel. Le même sur le plan de la construction au Mundenge, à l'objet clairement. Aza trop intéressé dans le Rwanda. Aza n'a pas président Moussouawa, oui. Togo tout n'a pas un plateau. Est-ce que ça est sous Félix? Pourquoi on n'a pas résolu le problème? Donc, les Congolais, le jour où nous serons comme les Vietnamiens, comme les Afghans, où nous nous mettons en bloc, nous disons, ces Occidentaux, on met fin avec eux. Bam mataba kita, toko défié bam. En ce moment-là, ces gens vont nous respecter. Ils ont colonisé le monde arabe. Mais quand les Arabes se sont réveillés, Babi Petro les a abissés. Beaucoup ont voté. Autre bomanani Saddam Hussein. Babomi Saddam Hussein. Pour pas intimider Bango, Babi Missi, l'État islamique, n'a pas bilogo Moussouana. Ba bombe côté, ba terrorisme. Les Européens et les Américains, ils ont respecté Batouana. Quand ils sont. Quand vous voyez un secrétaire d'État américain arriver en Arabie Saoudite, il salue avec le respect. Quand il est au Qatar, il salue avec le respect. C'est chez nous ici, parce que c'est l'ambassade de l'Union Soeza,
libre bazo ba osala kuzo ba nyoso jour to côté les mela bango. Ce sera le début du changement. Très bien. To zwa bongo sujet ali boso to relobe a sujet na mai mata ali bongo Sénat élection ezali ko sala mala Sénat to kota ngo penza na mozindo na bande ko bazana biso sur ce plateau. Pourquoi ça pourquoi li de pèse seulement nde sengela sala na Sénat puisque ba bi ezali droit na bango et ça c'est un peu compliqué na ndeko sa malukonde o ye pia sala po sa sala kuna qu'est-ce qui se passe ma dessous des cartes sur ces sujets. Tozana mwana mboka Mike Jana, mwana mboka Mbote, pe boye bola mo ozali mo pandisa ngwa mboka na biso. Merci madame pour l'invitation Mbote na débatteur nanga pe bato bazola na biso siko. O kanga kini ni penza na sortie médiatique ya tata mokambie ko lobby et po ngai na simba ki esika lobby que to et critiquer to évaluer le mbango mbango te to zela mosale salema d'ici année prochaine les seigneurs to critiquer yo kanga ki esika ni no moni za penza important na sortie médiatique là. La vérité, c'est que Namakambaloba qui lobby, moi j'ai toujours dit c'était une communication. J'ai l'impression que cette communication n'était pas prévu. À la base, c'était une communication pour rassurer les Congolais, parce que Akenda Kiawa communiquait, même président Sassaraï communiquait à l'état de santé naïe, un peu critique. L'objectif principal, le cœur de cible et la communication des acquis pour rassurer les Congolais que Aza Malamu, Azo se portait bien et que Azo Zonga pour continuer Moussala naïe calmement. Mais après, Naba Corollaire, il a ramassé presque 2, 3, 4 choses. Mais j'ai toujours dit, la communication politique, quand. Surtout pour quelqu'un comme Félix Tshisekedi qui a souvent l'habitude de parler avec son cœur, quand vous le laissez libre champ, il parle vraiment avec son cœur, avec beaucoup d'émotion. Mais dans le fond, ce que moi j'ai retenu, Ezaraka a engagement naïe vis-à-vis la situation à guerre de l'Est. Il continue à tenir, à être cohérent dans son discours, dire qu'il ne veut pas négocier avec le mouvement rebelle. Il faut discuter avec les instigateurs, Potoyeba, quel est le problème, où est les bablesses et comment trouver une solution. En dehors de ça, le reste, j'ai plutôt beaucoup de critiques de forme à émettre sur cette communication. Là, je crois que bah, Ebazo Kamba communication n'a pas. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'on est sorti dans l'orientation principale, il y a communication. C'est ça juste le problème. Mais dans le fond, je crois que ce qui est à saluer, c'est qu'il est resté cohérent dans son discours en matière, il y a question à Est, c'est le plus essentiel, mais dans le reste, il a fait des déclarations, surtout de. D'un politique et de quelqu'un de son show comme il en a l'habitude, mais dans le fond, pas vraiment des dégâts, nonobstant les dégâts et la forme communicationnelle et ce que ça peut engendrer dans l'opinion. Nabanzate, qu'à ces niveaux-là, la communication du chef de l'État devrait être commentée dans le sens polémique. Ça devrait rester dans l'objectif, il y a quoi assurer population comme Okondiambo, Kanaya, Zabien, il est en forme et qu'il continue à poursuivre sa politique et qu'il est resté cohérent et droit dans ses bottes. Na Mayo a planifié pour na Mboka. Merci beaucoup. L'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, Ezali Kabila. Le chef de l'État l'a dit, si tout haut. Donc, on ne doit plus douter. Mais mon tout Ezali Ndeko Mubenga, ceux qui font la zone là, pour la nîmes, la procédure judiciaire, il faut mettre contre Joseph Kabila. Ceux qui, c'est clair que Yenda Ezali Simaya, il y a Corneille Nangana Lissangana. Maman Naomi, je pense que justice c'est bandit Moussala Nango. Au il y a deux semaines, bah, il a condamné Bananga. La semaine dernière. Et c'est complice. Voilà, et c'est complice. Et bandit, wana, il faut fragiliser Batouana pour arriver à son patron. Le président vient de le dire. Parce que Bisto Loba qui a eu depuis et bandit à Likambo, en décembre. Tant que Sengi, Mokonzamboka, a bengana EAC. EAC est qui, une semaine après, réponse à EAC, Zalénini, création ya AFC, na Nairobi. Mokonzamboka a bengi ambassadeur na biso Zongi Ao. Donc, tension, il a dit que, tu ya Kenya, c'est pela qui te, n'enye ba kokisi. Projet na bangote ya koede Rwanda azwa Goma. Bayaki na projet wana parce que tango moni e ase akomi. Le général là a lobby biso toye pona ko batela aéroport. Oh papa. Général Chiko a lobby te biso za ko zela bino to kende ko bunda na front. Habite biso toye le pona aéroport. Ça dit bango bazaki na projet ya koede Rwanda azwa aéroport. Quand vous avez l'aéroport, vous avez la ville.
Tant que Timbeli Bango, to Bengani Bango, il faut maintenant intensifier, il faut ajouter la pression pour que Kagame a récupéré Goma. On va créer Nanga. Babi Kagame, yozonga sima, toti a Nanga, azwa et longi a ba Congolais, et zala Afdel 2. Mais, erreur basale est à que Bazui Nanga ba pesier objectif. Babi, Zuela Bisso, batu minene, ya politique en Mboka Congo. Baza na yo, comme ça, communauté internationale, et monake, et za rebellé à ba Congolais. Parce que c'est ce que Kagame avait fait en 98, quand Mouzé les a chassés ici. Il a recruté Tambwe Mwamba, Delice Sanga, Lambert Mende. Il a Wamba Djawamba, Lunda Bululu. Il a tenor de la politique en Mboka Nabiso, à Thiébango, na RCD, na Jean-Pierre Bemba, ba Sali, ba MLC, tout ça, pour que ba justifier la rébellion ya Uganda na ya na Rwanda. Ozomona, bitumba ya 6 jours à Kisangani basali génocide dernièrement, c'est ça le couronnement ya makambwana oyo to lobi lelo to bi ke bango basali rêve na niveau wana babi to justifier guerre wana par le débauchage des personnalités. Si ko bazali na possibilité te ya ko débaucher bato oyo bazali na opposition bazui bato a perdre tant babandi au traverser kuna, on a tous compris que toutes les menaces que Kabila avait proférées ici à Kingakati, au Balabaki, Kabila Goloba, a réunissaka Batunaï à Kingakati, mais il n'avait pas parlé à Kekashamata. Vous ne vous rappelez pas de l'épisode Wana. Après, John Numbi a parti en Namibie à Bandi qu'on menaçait. Abile, le 20 décembre, il n'y aura pas élection. Nous serons dans la capitale. Ozomona, quand vous prenez toute cette photo-là, vous mettez les paroles de Nanga, vous sentez que Kabila parle dans la bouche de Nanga. C'est ce qu'il n'avait pas gagné aux élections. Nous lui avons donné le pouvoir. Vous comprenez? Olive Lembe regrette ici. Vous sentez les paroles de Kabila dans sa bouche. On regrette d'avoir fait d'autres personnes au Pays Sabango, chance à coller ta veste. Nous n'allons pas quitter ce pays. C'est notre pays. Un défi en pleine capitale. Vous voyez tout ce qui se corrobore là. C'est Kabila qui est l'artisan de tous ces gens. C'est lui qui est le propriétaire de AFC. Il n'y a pas à dire autre chose. Il a passé tout son temps à comploter, aller à Nairobi, aller en Afrique du Sud, partout, juste pour chercher à déstabiliser la RDC. Aujourd'hui, il est personne non grata dans l'espace SADC. Parce que Sadek a été abusé de manière légale, tout ça n'a pas accord, tout ça les membres. Mais yo ont commis rebelle, au sein de la rébellion, pour n'avoir ça, pouvoir aux Ali légalement établi. L'article 63, na 64, la constitution abusé, alinéa 2, ils ont boya. Mouto quoi accéder sur le pouvoir par bitumbate, kozomando kite. On doit passer par les élections. Et Mokonzambo Kalobiango, le PPRD a refusé d'aller aux élections. Parce qu'il prépare l'insurrection. Ils veulent... Puisque Kabila n'a jamais dit ouvertement que Azali n'a Nanga et que... Il ne peut jamais le dire. Nanga, c'est son dernier disciple. Quand tout le monde avait basculé dans l'Union sacrée, c'est Nanga qui était resté collé à Kabila, Kingakati, qui allait chaque fois là-bas. Quand on a vu tous les ténors partir, quitter les bateaux pour rejoindre Félix Tshisekedi. On a vu Nanga parmi les disciples comme Jésus avait Jean, Jacques et Pierre. Nanga ne batu yena ya sukatikala na bango. C'est quoi la suite après déclaration Tata Mokambe? Oui, oui, la suite c'est que le président a parlé, le procureur général près de la Cour constitutionnelle doit acter parce que Kabila c'est un ancien président, donc il doit être poursuivi par la Cour constitutionnelle. Le premier ministre, le président, les anciens présidents, c'est la Cour constitutionnelle qui doit le poursuivre. Donc, le procureur près la Cour constitutionnelle, le procureur général, doit ouvrir un dossier de la rébellion. C'est une insurrection. Donc, les activités subversives pour renverser un régime
légalement établi. Donc, on doit poursuivre Joseph Kabila. C'est fini. Il s'est mis lui-même dans la peau du rebelle. Donc, Ndenga Zawana, il est... un mandat peut le suivre partout. Et en disant ça, c'est le président de la République. Ce n'est pas Moubenga qui l'a dit. Ce n'est pas un taximène qui l'a dit. C'est le président de la République qui est garant des institutions. Tant qu'on lobby en haut. Donc, je pense que à partir d'aujourd'hui, Kabila n'a plus le titre de sénateur à vie. Oh. Il a perdu, mais il a perdu le statut là. Tu entres à la rébellion, tu n'es plus, tu n'as plus ces droits là. Je vous reviens. Bon, je... 680 000 $ aux soutenu. Bon, Jeff, non, sur la vie, mais comment tu peux oser la rébeller, Boba? Tu sais, de Toyo qui va comme il est là. Très bien. Merci. Je vous reviens, je vous reviens. C'est officiel. Devons-nous parler d'un divorce entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? Suite logique, Nango et Zanini. Namanaomi, merci Mingi. Na kanisi ke na ko aborder nzela moko na confrère nga Jean Moubenga te parce que na oya lobby na zui quelques points ya liboso a lobby que makambo na nga za koloba c'est Kabila qui parle à travers lui c'est qu'il n'avait pas gagné ba élection mais curieusement soto zui siko le secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya en pleine matinée politique. Et dans le siège, Naskatia siège à UDPS, ça voudrait dire, c'était l'UDPS qui parlait. Mm-hmm. Kabila est sérieux. Atali, à Monique est parti, on a recoupé sa pouvoir. Augustin Kabuya n'a pas dit que Kabila respectait le résultat à la urne. Est-ce qu'en ce moment-là, c'est Kabila qui parlait dans Monoko, il y a Augustin Kabuya, pour n'a tout lié, biloko est dans Monoko, en angapé que. Yangonde, c'est Kabila qui parle à travers lui. Je pense que toko ko kolé babilo ko msusu o comme on a même keboyé sur le plan de droit, moyen ya ko tchango sous la responsabilité à Kabila et au comme moi difficile. Nanga soko fouillé au kuta, il a des motifs égoïstes ou tingé lelo a kende kota kende a kewana. Bon, le président de la République a parlé. Il a certainement ba source o yayé. Et encore c'est que... la personne mieux informée. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Oui. Ce qui est vrai, s'il y a effectivement indice sérieux que Joseph Kabila est auteur à AFC, oui, il faut engager justice des poursuites contre lui. Mais il y a ici qu'il faut jouer avec beaucoup plus de tact parce que. Nayoki disou sou confrère Alobia wa Kesadek Elingi Joseph Kabila. Moi je dirais que les faits que l'on peut épingler, c'est tout le contraire na Omu Bengalobi. Au contraire, Sadek est soutenant Joseph Kabila. Et Sadek wana tilelo est soutenir Félix Tshisekedi. La preuve. Son information est de 2013 en fait. On a déclaré Joseph Kabila non grata. Voilà. Quand Baye Awana génocide, na commémoration et pas Kagame, c'est là que le président sud-africain a changé. Alors, il faut intervenir, problème RDC militairement, il faut qu'il y ait des politiques. Alors que, Tina Nabangwezani, pour n'avoir aidé Félix Tshisekedi sur le plan militaire, parce que tant que Félix Amoni qui est dans EAC, Bazali Batumabe, erreur au président Salaga, c'était quoi? Par moment, il faut président Ayo Kakapé, opinion contraire, sans quota là que ceux qui disent là, ça va toyer de peste. On avait sérieusement appelé le président, Kokendena EACT, vu l'historique, la composition à Batouana, ce sont que des Tutsi. Au grand jamais, Tutsi a coupé sans déconner Tutsi Kagame mou Congo pour soutenir yo ou tout beau détruit Ndekonae. Mais réponse est à Kini na les partisans. Oh, bato bazo lo bani baza ba ene. Vocabulaire wane koma ki mabe. Un instant. Na lobi yote. Nga za parmi bato ba epsa Félix longola bato oyo. Voilà, mais tikana na lo bana zui par rapport à makambo yo za utio lo basiko. Nde na zo talisa ke yangote. Sadek bazali mabe par rapport à RDC. C'est ce qui a fait que
tant que Félix a moni danger na EAC trahison ana. Vous voyez que bato na l'air bakabola ka ba secteur au motif que ba ko aider biso. Mais na ba secteur bazai ko occuper na ba armée na bango. Far de saison nyata kunate. Mais M23 okende. C'est ainsi que Félix est finalement à l'obaka na chef d'état-major kenyana. Mais comment toi tu n'es pas venu ici pour na batoana? Il faut écouter peuple congolais. Au moins, il a constaté que non, c'est une haute trahison. Or, ce qui est l'élément de la FARDC, c'est un des éléments de la souveraineté nationale. L'armée. Parce que c'est l'armée qui donne même l'effectivité à pouvoir, autrement dit, impérium. Sans une armée, yo, impérium, c'est le pouvoir d'imposer. Sans une armée, on peut imposer quoi? Mais ce qui est armée, c'est un espace où on a été. Mais M23 est au Kende. Au vieux aussi, il y a Batouana et EAC. Mais c'était très grave. Il y a Mwana, à Longwe, qui n'a pas Kende na Sadek. Mais na Sadek, l'herbe Koutani, qui n'a na génocide à Kagame, malheureusement, le président sud-africain était clair que non, il n'a pas intervenu sous militairement. Autrement dit, là, je rejoins aussi Mubenga, pour Nanini, souci na Bango, Isali. Côté Kabiso na position de faiblesse pour tout qu'il y ait une négociation dans cette position-là. Et ici, j'en profite à rappeler mon frère Mubenga, à qui je dois cette information, laquelle il pourra reprendre ici. Mouto Bazaki n'est pas dans la vidéo. Pour ça, un message, mon Makas, est-ce que je comprends que tout c'est comme si Batikala t'a commenté, Mahambouanate, Yango t'a subir. Lelo Oyo, Félix peut dire. N'a qu'on négocier na Kagame. Mais à Luanda, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les tête-à-tête Rwanda-RDC. Mais qui dit Rwanda-RDC, que ça signifie? Qui incarne la personne morale? RDC, ça le quoi, personne morale, incarnée par la personne physique de Félix Tshisekedi, en tant que président de la République. Et le Rwanda, même. C'est-à-dire, ce qui se passe en ce moment à Luanda, les négociations directes RDC-Rwanda, ça signifie. Ce sont les négociations Félix Tshisekedi Kagame. Contrairement à Juronae. Donc, il faut faire attention à la déclaration, surtout dans les autres manamounoko à Mokondi Mboka. Yango a commis base à confusion aux hommes à Mambo Sénat. Parce que quand il avait sorti de sa bouche Nakatanga que Nazope Sasama, et aujourd'hui, ça pose sérieux problème. Les partisans, bah, pas question. Mais qu'on appelle Kanga Makambwana qui nous avait promis, qui dit mieux? Non, qu'est-ce que je veux dire? Base, ce n'est pas le président qui décide. Ah, ok. Il a promis. C'est pourquoi il y a la politique. Qu'est-ce que je voudrais démontrer? Oui. Il ne suffit pas seulement que le président déclare. Parce qu'il y a des choses. Tout le monde a un souvenir. Ah, on a Kinshasa. Bah, élèves, bah, ont manifesté na Ituri. Mais bah, yébissier, ah, ouais, que c'est la manipulation des bah, politiciens. Mm. Et il avait même fait part na Makambwana, na délégué à l'Union européenne à Yakao. Mais quelques jours, quand Félix se retrouve là-bas, devant un jeune écolier de plus ou moins 9 ans, Bandi Koeb, c'est ce que Makambouboye. Il a pris de la hauteur, ça, je le félicite, Yako Senga, pardon, que. D'informations aux Oloba, Oyomwana, na Oba Pesa Kingai. Et qui lui donne des informations? Si ce sont les mêmes sources, Wana, Oba Pesa Kingai, d'informations, Gaya, Pam Pamba, Oyo, Mokonzambo, obligé de vendre un enfant à Kosenga, pardon. Est-ce que d'informations, quand les mêmes Obaza, Oyebi, Saebi, Lok, Wana, est-ce que Zali Penda fondé? Pour bien que côté ces sous-sous, Azana a un sérieux problème. C'est quoi tout le la rébellion, puisque Kabila n'est pas Mouto, tout le la alliance Kagame et Kabila, puisqu'il y a d'un côté FC, de l'autre M23, n'est-ce qu'il y a tout le bien? Maman Naomi, na makamboyo, Jean Mubenga Lobiawa, faut que l'on la biloko est belé. J'étais en train de dire que. A pesaka message mouboué, makambo ezali et bombami na ba négociation. Plus de 10 points au bazar qu'on impose que yamounde de sendima. Il n'y a pas un problème même de Joseph Kabila na biloko wana. Quand Lumumba dénonce biloko, Kabila zala yot. Il n'était même pas encore né. Il vient de nous dire ici une réalité que Tokolongo la président oy, Tokolongo limousous. Mais bango plan à bango. Et qu'on change de thèse, mais c'est peut-être les tactiques. Donc il faudrait que. Congolais, tout le monde est sur la patrie.
Mais c'est ça, l'effectivité à déboulonnement est que Kabila se retrouve mbeya mbeya à Libanda à un moment la place au lalate les lois azawa lobi azakuna habité type en azawa civil na roula qui saye permettre na zumbando na chute na sila na naie yango la zone du matin que Kabila zana kasa zone dissocié non attention il est dedans. Je suis en train yakoloba que il suffit pas seulement de faire dire au président de la République que boye boye, mais il faut couper ça et assurance que tu as l'élément concret, tu as l'élément. Je suis sur cette piste-là. Mais la justice doit faire son travail. Merci beaucoup, mon amboka. Ndeko, Mike Namoni Olandi, Nambo Zindo Penza, intervention à Ndeko. Le chef dit que Rwanda a cessé biso cesser les faits, mais boni, bango ba cessé biso cesser les faits, mais pendant ce temps, bazo gagné ba territoire na mabele na biso. Est-ce que zala ki piège finalement tant que boni mokanda oza signé na Rwanda wa bisika bazo reprendre plus de 5 fois des mobilisations, il y a FDLR, alors qu'on ne parle même pas de M23, on ne parle même pas d'une application en Rwanda sur le M23. Certes, aux Maloba sur Joseph Kabila, comment vous analysez votre lecture? Merci, maman, mais permets-moi un azonga mouki, et puis je vais revenir à cette question qui est pertinente. Oui, oui. Moko ya faiblesse na biso na diagnostic à Makambia, est-ce qu'on a personnalisé ce débat? On y ma kamonde konanga mou bengazo loba. Quand Kabila était au pouvoir, on tenait le même discours. Kabila Zokokate, il est des mèches, ceci, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Il a fini par partir, le problème est resté intact, c'est juste des leaderships qui ont changé. Makamboa, ce enjeu Nango dépasse, transcende les simples avis et considérations, implications à l'individu. C'est logique aujourd'hui, n'importe quelqu'un d'intelligent peut faire une ratification, dit Kabila est frustré parce que. Mais. Je pense que Kabila, jusqu'à aujourd'hui, à part formation politique, n'a prise en compte n'abandonne exécutif. Kabila, il circule comme il veut, ses affaires marchent comme il se doit. Il y a certains qui ont rejoint l'Union sacrée avec la bénédiction de Kabila, comme les Mende et les autres. Après, c'est facile de lier. Mais moi, j'aimerais qu'on tienne compte d'une chose. Toza, à la veille, il y a un jeu. Il y a dernier mandat constitutionnel, il y a UDPS. Le chef de l'État, c'est un être humain. Il a eu des relations avec Kabila. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce sont des relations en beau fixe pour des raisons d'ordre politique, parce que parti politique, c'est-à-dire les membres de chaque camp, ont fini par opposer les deux personnes. Personne ne voulait accepter sa réalité. Personne ne voulait, cette fois-là, transcender les quelques années passées en protagoniste. Aujourd'hui, l'affaire est arrivée au pourrissement. Bébana, OK. Mais pendant que nous, on est ici, cette idée de blanchir le mouvement rebelle de l'autre côté pour donner une connotation congolo-congolaise. Na discours ya osala a opé sa argument na Rwanda. Quel est le meilleur argument pour le Rwanda ya oyoka kelelo? Guerre ezo le canard de César subi sauteza entre Félix na Kabila. Il n'y a pas meilleur élément de blanchiment de ya Rwanda dans ce contexte-là. Est-ce que nous on devrait prêter cette attention? Est-ce que nous on devrait parler comme ça? L'une des problèmes est Panabiso et Zakara Tozo Kenewana. C'est-à-dire, vous savez, quand Montesquieu a pensé le pouvoir, a tiaki les trois entités, le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif, c'est parce qu'à Yebaki, le chef de l'État en tant que tête de l'exécutif ne peut pas qualifier les infractions. En tant que politique, il est l'homme le mieux informé. Et je pense toujours que la meilleure des justices, la justice est respectée à la phase préjuridictionnelle. Boubandité, ma service a été conduit. Tout le monde était Kabila a impliqué dans ma campagne. Ok, en sourdine. Bon, là, d'abord construire l'élément. Dès que tu recommandes la justice, c'est avec des preuves solides
qu'on pourrait même pas, même dans un procès accoutumant, Bokende, même s'il n'est pas là. Mais l'essentiel, c'est quand on s'est présenté des preuves tangibles, à ce niveau-là, on remet en question le doute. Le dire maintenant, c'est engager un front politique, c'est donner de la matière à une certaine opposition. Vous ne venez pas continuer sur l'émission Makelele Lena TV. Ça, ça tue la République dans tout le domaine, même sur des questions de gestion de la République. Tu verras l'inspecteur général chef de service qui, sur un communiqué, y confond d'abord les partenaires sans avoir mené des enquêtes avant, mais on incrimine déjà la personne. Ça, c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Ma ben abissou est zaké tolinga toloba avant tous à la nabe élément probant ou éco justifié ou sous-tendre malobo bisoto loba. C'est ça tout le problème. Et puis on parle de la question de la guerre de l'Est. Dans un amakambo, mais cette histoire date de longtemps. Combien de fois sur ces plateaux n'épsibino telelo en matière de gestion en sous-région, pouvoir essayer l'équipe, même Kagame au bon loba. Kagame a déjà perdu presque sa place. C'est Ruto qui prend le relais. Et pas à route. C'est l'état où le plus d'opposants rwandais sont morts. Et aucun opposant ne se permettra encore d'aller séjourner à Nairobi parce que c'est un mouroir pour eux. Là-bas, on ne parle pas du mal de Kagame. Pendant que nous, on est là, nous, on est en train de faire des jeux. C'est là où il y a le problème. La RDC a des revendications. S'il y a un état victime, et Zabisso, les gens continuent à mourir du jour au lendemain. Mais on accepte quand même l'agenda nous imposé par la coordination et la négociation qui veut qu'au préalable, le Bissoto résoudre un de nos différends. Bon, en fait, la RDC, par bonne foi, s'était engagée à aider à mettre en place une stratégie de démobilisation des FDLR. Parce que Zalaki alibi à Barouandé. Parce que la RDC aussi soutient tel mouvement rebelle. Ok, on va vous prouver que nous, on n'est pas dans ça. On va mettre en place une stratégie et on va soumettre à la table des négociations pour que tout le monde ajoute et que tout Kennedy comme un accord. Mais est-ce qu'en termes des priorités, nous, on devrait accepter cet agenda-là? La réponse est claire. Non. C'est-à-dire, il y a un chemise pendant que chez moi, les enfants sont en train de mourir. Ça n'a rien à voir. C'est de la distraction. Un peu comme Barbet Tassoula a cessé le feu Rwanda Singaki. Le Rwanda était en pleine élection. C'est-à-dire, pour Batiabiso Amber, non, cessez le feu. Ils s'occupent d'abord de leurs élections. Dès qu'ils vont finir, ils viendront s'occuper de nous. Regardez à quel niveau nous on arrive. Je l'ai dit ici, même la trêve demandée par les Nations Unies, c'était dans l'idée de pouvoir permettre au Rwanda calmement de s'occuper de ses problèmes internes avant de revenir pour s'occuper des problèmes transversaux avec la RDC. Ce qui justifie qu'aujourd'hui, jusqu'à Tilelo, nous, on continue à subir l'agenda de Jean et on regarde. Vous savez, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, tout continue qu'au Talara Makambo, jusqu'à ce qu'on continue à subir, c'est une vérité de fait qu'aujourd'hui, on est presque seul face à, je ne vais pas dire le monde dans son ensemble. Et Banda Kala Lelo, schéma et Batonionso, schéma et la communauté internationale, que tout se retrouve autour d'une table. Mais le problème, c'est qu'on va se retrouver autour d'une table dans cette position ici, c'est pour aller faire encore de compromis comme autrefois. Bilo Kobiso te reproche à Kabila depuis toujours, c'est toujours tomber dans des compromis sans tenir compte de certaines réalités. C'était ça sa plus grande faiblesse. Mais le chef a dit, nous n'allons pas négocier avec ça. Voilà. C'est autre chose de dire, nous n'allons pas négocier. Moi encore avec le Rwanda. Non, non, il a dit, avec le Rwanda, il faut discuter. Mm-hmm. Pas de négociation. Mais une discussion sur ces questions là doit déboucher à quoi? Parlons dans le langage diplomatique, quand on parle des discussions, à la fin, il faut qu'il y ait une conclusion. Une conclusion se solde toujours par un accord. Par des concessions. Par des concessions. Le problème n'est pas sémantique. Il ne faut pas parler de sémantique ou non. Négociation, discussion, sémantiquement, dans le langage diplomatique, ça conduit au même résultat. C'est pas ça. En fait, on ne va pas discuter sur les sémantiques, mais quand il est dit, il sait de quoi il parle. Parce qu'il veut, depuis toujours, j'ai dit ici qu'il était resté cohérent, parce qu'on ne va pas discuter avec le mouvement rebelle, mais avec ceux qui alimentent ou ceux qui nourrissent, ceux qui gèrent ces mouvements rebelles. C'est logique. Vous savez, à la limite, Naïm Sarwatawi, si la Russie et l'Ukraine, pendant qu'ils sont en train de se faire la guerre, sont en train de négocier, c'est jamais un tabou qu'on entende que la RDC autour d'une table pour discuter la question de l'Est. C'est pas un tabou. Bisson n'est comme si un sujet tabou. On a fait que la clameur publique a pris les devants. Lélé Komara, le pauvre Bosco Baal. Ce qu'a Baguiga, non, tout ça sur une table, on a peur de la clameur publique.
Alors que c'est cette élite-là qui devrait éduquer. Elle dit, écoutez, toi, autour de la table, parce que la politique de la chaise vide ne paye pas. On ne peut pas, pendant que les autres sont en train de comploter contre nous, bisotos à l'absent, dès lors qu'on a la possibilité d'être présent. Si aujourd'hui on parle que la RDC a ses revendications, mais comment on va le faire valoir si on ne va pas autour des négociations? Bon, en fait, pas des négociations. Prenons la sémantique du chef de l'État. Autour des discussions. Il faudrait être présent. Il faudra que le Congolais comprenne. C'est-à-dire qu'au Kenya, la discussion, la question, c'était que Tosa a faiblesse. Toko Banda, tu m'as dit qu'au pilonné, si tu récupérais Banda, la preuve, en 2013, on a réussi à mettre hors état de nuire le M23. Militairement, tu y es, tu as commis, tu as eu quelques zones, même si d'autres zones, ça a été fait par compromis, par négociation. Mais à la fin des comptes, on a réussi à faire taire la branche militaire du M23. Tosukaïwa. N'a pas accord. Et c'est ça la logique du monde. Parce qu'à ces niveaux ici, je crois. Mais le faire à tout moment, n'est-ce pas, Kozung est le même système. Ils ont... Oui, mais justement, la question c'est de... Ils ont continué à lier plus davantage. Pourquoi on le fait à tout moment? Parce que le Congo, depuis toujours... Mais nous, on a atteint la misère intellectuelle. Nous, on pense que poser les mêmes actes dans le même contexte nous permettra d'avoir des résultats différents. En rapport diplomatique, dans le rapport entre États, si vous voulez négocier, il faut prouver votre capacité de dissuasion, il faut prouver votre puissance de feu. C'est que militairement, on arrive d'abord à mettre hors état des nuits tous ceux qui viennent pour de dossiers sales. Bah, mouvement Nyon Soba, qui est dans la poche à sécurité pour se servir des fonds de garantie pour le Rwanda, que lui se mette en interface avec cette communauté-là. Quand on sait sécuriser nos territoires, quand on arrive autour d'une table, on négocie en position de force. Parce qu'il n'y a pas de pesanteur qui pèse sur nous. À la limite, en tant qu'État, avec ce que nous on a subi, le Congo a gagné le droit de se comporter comme un État voyou vis-à-vis du Rwanda. S'il faut que Bissopeto a infiltré, s'il faut que tu aies utilisé pour de vrai cette fois-ci, ces FDLR-là, bah, créer des troubles, ça nous permettra aujourd'hui, quand on est autour de table, si tu veux que moi j'arrête, toi tu arrêtes à ces niveaux ici. C'est-à-dire qu'on a des éléments de pesanteur. C'est ça le rapport de force entre États. Nous, on ne va pas continuer, les gens sont sur notre sol. Occupent. Aujourd'hui, par exemple, on parle de Goma, mais les gens ne le savent pas. Les corridors économiques ont déjà été coupés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus par les armes, mais par l'économie, on a presque fragilisé la ville, occasionnant l'exode et les déplacements. C'est une forme de contrainte. Qui nous oblige Totika, Totika, Kakokendaka, Moni, j'ai dit toujours, le chef de l'État avait levé l'option. Cette option, tout le Congolais le soutiendrait, c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre l'option militaire. Mais en matière d'État, il ne faut pas prendre des demi-mesures. Si on veut aller sur l'approche militaire, Tokene na démarche tina souka. Parce que soit Tokene na souka, t'es après. Et aux ongles, la mission comme effet boomerang. Un peu comme on le vit aujourd'hui. Allons jusqu'au bout de notre logique. Très bien. Faisons, ça dit, prouvons au monde que nous sommes un État sérieux, responsable, capable de défendre ces territoires. Comme ça, pour des raisons soit économiques, soit autres, il y a une interface et c'est l'État congolais. C'est simple. Merci beaucoup, Mme Boka. Toujours question à Sénat, puisque Mboutou Mboutou Zayaki m'a cassé lobby entre militants. Il y a UDPS autour, il y a Nakat, même il y a Temple et la démocratie, il y a Palais du Peuple. Bissika, moi, acte malongate, malamonte, salemakine, de Kojomo Binga. Pourquoi l'UDPS doit obligatoirement Kojomoto et à Sénat? Oui, merci. Ezali, question, il y a force ou bien... Pas politique. Pas politique, voilà. Pas force, mais pas politique. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, être dans une sorte d'organisation où nous avons la majorité et nous sommes au-dessus des autres, mais nous donnons aux alliés presque tout. Nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, dans beaucoup de provinces riches du pays, l'UDPS a cédé la direction de ces provinces-là aux alliés, comme les Haut-Katanga, les Lualaba. On a laissé ici l'Assemblée nationale. Nous avons donné aux alliés. On ne pouvait pas encore, au Sénat, donner à un autre allié. L'UDPS doit gouverner. L'UDPS a
Ça veut dire que Gagné se retrouvera à la présidence, à la primature et au Sénat. Oui. C'est beaucoup trop. Non, c'est pas trop. C'est trop. Et si vous prenez la configuration politique aux États-Unis, quand les démocrates sont au pouvoir, c'est eux. Ils sont au Sénat. Ils peuvent être aussi à l'Assemblée nationale. Ça pose aucun problème. Ce n'est pas incompatible. Donc, les démocrates ne sont pas une mosaïque. Il ne faut pas oublier. Le contexte politique est différent. J'ai vu aux États-Unis depuis 15 ans. Oui. Et je vous dis qu'aux États-Unis, on n'a pas permis plusieurs partis politiques. Justement. On a trois partis politiques. On a la gauche. Trois orientations politiques. On a la droite et on a le centre. Alors, dans chaque côté, il y a plusieurs mosaïques, plusieurs tendances. Qui parlent le même langage. Il y a les évangéliques chez les républicains. Vous avez les conservateurs, vous avez les centres droits, vous avez tous ces gens-là. Ils sont pleins. C'est comme ça que vous suivez ce qu'on parle des grands électeurs. Les grands électeurs, là, ce sont les associations, ce sont les organisations qui s'identifient dans un côté comme dans l'autre. Alors, quand ils vont dans leur convention pour élire celui qui va être leur candidat, parce que maintenant, là, on attend les démocrates qu'ils puissent confirmer Kamala comme leur candidat. Donc, ce sont les tendances là, que nous appelons ici partis politiques, qui sont ensemble aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, parce qu'ils croient à sa vision, ils sont avec lui, qui vont faire sortir leur candidat. De la même façon, l'opposition, dans sa pluralité, est opposition, mais ici, comme on n'a pas soudé un pacte républicain pour dire, voilà, nous sommes la gauche ou nous sommes la droite. C'est comme ça que vous voyez toutes ces différences-là. Mais ici, nous devons considérer que Félix Tshisekedi, sa formation politique, a eu beaucoup de députés, de sénateurs. Par conséquent, il devait diriger en tenant compte de ces éléments-là. Au gouvernement, on a donné aux alliés beaucoup sur les 54 ministres. Vous avez à peu près 16 qui reviennent à l'UDPS et Mosaïque, mais vous avez presque 38 qui sont entre les mains des alliés. C'est beaucoup. Mais l'UDPS n'est pas géré seul. L'UDPS, mais c'est ce que nous disons. Mais 38, vous voyez déjà qu'au niveau du gouvernement, ils sont là. Et dans des provinces, l'UDPS n'a que 3 gouverneurs. Vous voyez sur les 26. Les restes, ce sont les alliés qui ont ça. Donc l'UDPS ne gère pas seul. Au niveau des assemblées provinciales, l'UDPS contrôle 3 assemblées provinciales. Et tout le reste, ce sont les alliés qui ont ça. Donc, le Sénat, comme c'est sur le plan constitutionnel, le président du Sénat et le vice-président du pays, en d'autres termes. Aux États-Unis, si le président, comme Biden là, on dit que non, sa tête, tout le monde, la tête regarde devant, sa tête est en train de regarder derrière. À un moment donné, on peut le déclarer inapte. Bon, comme il reste seulement 2 mois ou 3, on préfère le laisser. Il est en vacances chez lui à Delaware, là-bas. Bon, Kamala, c'est elle qui pratiquement fait tout. Donc, dans notre contexte, si le président est indisponible, il ne peut plus exercer ses... Il est pris en otage, il y a une arme sur sa tête. Vous comprenez? Il est pris en otage quelque part, il ne peut plus être président. C'est le président du Sénat qui devient notre président. Or, ici, l'UDPS, c'est un parti politique se bat pour prendre... Chaque parti, l'objectif, c'est prendre le pouvoir et le conserver. Donc ici, l'UDPS ne peut pas vouloir céder ce poste-là à un allié qui a 40 députés nationaux et une dizaine de sénateurs. Bazolo Belabissou, les commentaires, les promesses, il y a Tata Mukamikolo, la Kati Bango, promesse, bloc Moro et Bakatanga, président Sambalukonde. Il y a un peu deux fois. Naïf Sabino, promesse. Et c'est pourtant que Salé Ango, ou bien Nassina Lobian, qui est président à bloc, à Lobaka, au Salaboui, Ponanga, ou bien Tokoutana, ou bien Tosal et l'hôtel. Bah, tu n'y as pas de président. Ah, je te vois souvent à la télé.
Oui. En tout cas, d'ailleurs, je vais parler à Tina Salama, que tu sois dans l'équipe de la presse. Au tigre, 6 mois après, promesse, c'est parce que le président le bagui qui est le cas au lobby. Vraiment, il faut une côté dans la direction commerciale, communication, il y a présidence. Non, le président, il peut promettre. C'est dans une circonstance, dans un contexte. Vous voyez les Katanga, les Bakatakatanga, tous ces gens-là, John Numbi, qui sont, on cherche un peu l'unité des Katangais pour essayer d'apaiser les esprits. C'est un homme politique. Il peut parler. Il peut dire quelque chose. Il peut le faire. Mais dans un autre contexte, on peut le mettre devant un fait accompli, lui dire, regardez ça, ça, par rapport à ces éléments, il n'y a pas moyen qu'on puisse donner ça à tel. Voilà, ils ont déjà eu ça. Ça me le compte déjà Premier ministre. Regardez les Katanga à diriger ici. Mais ça ne peut pas être toujours les mêmes personnes. Nous avons beaucoup de gens dans le pays. Mais les Katanga pouvaient même prendre un autre Katanga, mais des lits de peste. Disons que le président est revenu sur sa parole. Ah non, mais c'est comme ça que ça se passe. La politique, c'est comme ça. On ne peut pas chaque fois lier l'homme à ce qu'il dit. Parce que c'est lui qui avait dit qu'on puisse soutenir Martin Fayulu, non? Vous ne vous rappelez pas? C'est la base qui avait refusé. La base a dit non, 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 ça ne peut pas se faire. Il est revenu à ses propos. Donc sur ça, on ne les juge pas. Mais ici, vous voulez l'avoir, non? Mais Mme Nina, je vois quand même mon aïe, entre le pro-Kabouya et les anti-Kabouya à l'Assemblée nationale. Maman, on les allait Makambo interne. Les allait Makambo interne. Interne, on s'allie à mon Assemblée nationale. Maman, on a un peu de temps dans la famille. Bon, on a un peu de temps. On a un oui, mais tout ça, on a un peu de temps. Mais le Congo, ils ont un peu de. C'est chez nous. On n'a pas fait ça au Congo-Brazzaville, c'est ici chez nous. Nous pouvons avoir, ce n'est pas la première fois, nous avons vu. Dans plusieurs pays, même à l'Assemblée nationale, les gens se battent. Ce n'est pas au Congo. Tu as bondi sur une loi là, tu vas panzani, tu vas quitter, tu vas boire, tu vas panzi. Ça arrive. C'est normal. Mais vous avez vu dernièrement au Kenya, non? Les Kenyans ont vandalisé le Parlement kenyan. Vous n'avez pas vu ça. C'est leur. Donc quand ça arrive au Congo, on veut dramatiser, on veut voir comme si ça et l'autre. Et ça, la manque. Dernièrement, une baisse a excellé dans le désordre. Avec la force du progrès, chez Maman Olive. Pour instrumentaliser la force du progrès, la force du progrès a été toujours. À l'Assemblée nationale, ça fait le trop. Non, Bazala Nabango, c'est même la vitalité du parti. Oui, bah, toi, je suis Bazate, vous ne sentez pas l'IDPS. Tant que vous marché, vous avez un gardien de pouvoir. Bango wana. Si vous négligez le lobby, vous avez un gardien de pouvoir. Tant que vous avez un gardien de pouvoir, dans chaque même ANC qui est aujourd'hui à plus de 30 ans au pouvoir, ils ont une branche des hommes qui défendent leur. Dernièrement, c'était Zoom avec Cyril Ramaphosa. Et Yinda qui m'a cassé en Afrique du Sud. M'a cassé à pouvoir. Bazala Kamama. Même au moment qui trompe, on a pris le Capitole en otage dans les États-Unis. Parlement, Kotikuna. Nous avons vu ça à la télé. Ce sont Batama Kassi, il y a parti républicain. Bazala Kakaka. Mais nous n'encourageons pas la violence. Mm. Nous disons seulement que au niveau de l'IDPS, Bameka, Koyokana, va trouver consensus. Kabound s'était retiré quand il a vu qu'on lui retirait la confiance. Mm-hmm. Kabouya, on a retiré la confiance à Zopikla, à Zoboyokende. Parce que Ayebi et Logonini, à Zako Boyokende. Vous allez comprendre. D'autres personnes, Baban, on a un mort politique. Bon, si on a longue, est-ce que vous avez un jour sous le secrétaire général ou bien un jour dans la place en sous? Peut-être, n'a évité, je suis en train de supposer, il y a un moni, il y a un zoboué. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez un candidat à l'IDPS. On va dire, ok, je suis tout à l'heure. La police est candidate, ils ont encadré, ils ont bien. Mais parce que ça a déjà la force, la police, ma cambose, les gars qui n'est pas dans Kamoul Inter, non, maman Olive, j'ai là qu'il y a bientôt au monde, il y a au monde qui va éviter, moi et Lou, on est sur ça de mon avenir. J'ai rien ni bientôt. Bon, Kamoul Inter, tu vois, bien à l'ouvrir. Le fait qu'il y a aucun la force du progrès, la base, la banque, ils ont qui bientôt. Mais parce que maman Olive a l'obligé de faire au Kangabango. À se sentir lésé, à se sentir en insécurité. Bah ça là qui est ni, bah côté panayete,
Mais il y a une vidéo, une vidéo qui circule, loi bisika bazo laka. Koya ko bengana balobi kutu Rwanda wana. Ama bolo mabilo na contexte, tous les jours si les gens disent, si on doit prendre les images de tout le monde. C'est pas à prendre en considération. Je dis tout le monde dit des choses. Ba tu baloba ka makambo ebele. Ce qui veut Olive Lembe bazui ba déclaration na nyonso ba tiango pe. Au moins que Merci beaucoup. Sur ça aussi, il y a à boire et à manger. Il semble que Pékin, il semble que il y a ceux qui police ceux qui d'intervention rapide na Pékin, bazaki na kata conflit mo boy. Bana na bazaba ba bouc émissaire. Il semble, je ne confirme pas. Il y a maintenant là, il y a un procès. Il semble que les commissaires provinciaux qui aujourd'hui doit comparaître parce que l'autre général avait déjà comparu hier. Donc tokoye parce que vérité pourquoi bana bana kuma ki na likambwana ba on bazala kuna na mbinza ba se retrouver na Gombe na kata conflit parcellaire ndenge nini. Merci beaucoup mon ambokato ndeko Henri Chimalanga, vous comprenez ndenge ndeka oti koloba. Non, acte de vandalisme au sein de notre deuxième institution. Je crois que Jean Mubenga alongwe na loposo na ye onga na yebelie. D'abord Tshisekedi wa lobaka na Genève, il représentait pas la RDC. C'était le chef Yahi de PES. Différemment à l'actuel Félix Tshisekedi qui représente tous les Congolais et la République. Donc il doit faire attention à la déclaration, à la promesse. Ça pèse. Makambo ba koti na palais du peuple. Non plus, bako ke obunda kunate. Palais du peuple, ce n'est pas pour lui de PES. Batou babundi ces deux camps, il y a l'UDPS. Fallait pas bunda na siège na bango. Mobutu il part en Chine en 1973 et pas yoa piaké ko beta li solo pour na yako tonga palais du peuple. Misale bandi le 22 octobre il y a 1975 et Silina 1979. UDPS atali li solo bazalakate. Et banaka pété que UDPS akozalaka. Mais les loyo bomemi ba makambu na bino. Il faut encore souligner que ça même pas que Union sacrée de babundi. Non, de quand il y a UDPS boke ko bunda na palais du peuple, bo vandaliser yango hors l'hémicycle est inviolable. Il faut que procès à la contre les auteurs bato ba memi batouana, c'est là que to kondima que justice na biso, to na kati état de droit. Bosque bozo yeba sous le général Oa Kenda avant Kilimbalimba, général Kasongo, Bakenda ko démanteler centre de recrutement et d'entraînement na Kingabwa. Tilelo, procès à la Mouto Abanda ko recruter Bango. La constitution, article 190, qu'est-ce que ça dit? C'est sous peine de haute trahison. Mouto yo ako sala bilo ko wana, makambo ko recruter, ko entraîner batna ba service militaire ou paramilitaire. Lelo UDP se biminde ngwana. Encore que toke na procès, na oke vitesse pour minute sili. Mais Jean Mubenga lobi awawa. Mais non, yé moko chef yaba force de progrès éclaire à lobi que ba bengai ba pesinga $5,000 pour toke ndeko sam salawana. Alors likambo et sali que maman Oliva se constituer partie civile, c'est au monitango mouvement ayé. Elle a réagi par peur à comment on a un groupe yaba tout sans koye ba ke bazo utawapi. C'est tout, c'est une réaction normale. Oui, tomoite. Mais yoka, c'est une route. Yoka menace. Non, voilà maintenant ce qui enfonce le clou. C'est faut arrêter tout ce qui passe sur la route. Non, j'ai pas dit ça. Ah, OK. Deux jours avant ou trois jours avant. Mokondiano bakangi à force du programme Tibal. A sali message naé, a interpellé d'abord le président de la République. Ministre de la Justice, ministre de la Défense, a zo expliqué. A lobby ke biso tozui décision. Ya ko kende ko déloge bango bato bazana a GLM. Ba kabila on a po bango de base ya nyon soto vivre. Deux ou trois jours avant incident an. Vous voyez là où et comment qui compliqué. Ba tout nye na procès a linga wangana. Mais e ko cloué ye parce que tant yo menace les loyo. Que Naomi dans trois jours na obomaye, même si on va obomaye na mutumususu, mais déjà la première piste, c'est à Yomuto Bimisaki Makambwana. Ozomo n'est pas yuapi, il faut que l'UDPS mette fin à l'existence ya mouvement. Batubake kokuta kunakan la police ekeyi, bakacho, et vous admettez ça?
Bakanga batu, qui sont-ils batouana? Kotiana bakacho. Non, batabaka sa pouvoir. On ne peut pas tolérer ça. Moni makambo yense, lelo tanto zoloba. L'UNC a perdu. Plus banezo kende, plus UNC a perdu. Rasu na majorité te. Et ANC, s'il vous plaît, je m'excuse. Ouais. Toko miwa pina ANC. Abandisko ko négocier na ba opposition. Or yé mtalaki na majorité, c'est à cause ya ba comportement ya boy. Le président Félix Tshisekedi, il faut qu'on souhaite que tant aussi sa mandat na avant na kinya que ba makamu susu banda Rolanda obatu basala ki na ba combo ya UDPS ton a parti na et qu'on divise encore plus les Congolais. Comment devant un tribunal? Un tribunal, vous commencez d'abord par chanter ba hymne national à parti. C'est une intimidation. Et ça, normalement, on ne devrait pas tout vivre en haut sous le règne de l'UDPS. Parce que l'UDPS, vocation naïe, ils allaient à quoi corriger ma kamoutou tobando, mon insuffisance, na gestion ya bao tobaleka. Sinon, t'es pourquoi tobando critiquer bango? Sobiso le lotozui banditisme, toche yango et komi sikoyo, arme na biso et on les défend. Que celui qui a amené ces groupes-là na palais du peuple a violé. Donc, intangibilité, il y a lui ou un an. Bar réparer en haut, lui de PES doit réparer. Ils ont cassé. Et ils allaient siège na bangote. Kuna ba bundite na siège na bango, mais bozo ko bunda ao. Le palais du peuple, il s'agit du peuple congolais et non du peuple de l'UDPS. N'a rappelé bino et pas yoapi mobutu a tongé l'ukwana. L'UDPS n'existe pas. L'UDPS est pour exister à partir de 82. Mais comment ils peuvent se permettre ce kilo-là? C'est la deuxième fois OYOP. Tout le monde a qui souka bunka à l'UDPS. Machete et kota. Mais y'a un autre. Et ça bien été. Nabamboka. Ok. Bas solo lango. Nabamboka oyo zolo ba. L'État est fort kota. Je chute. Hein? Je chute par là. Attends, l'État a pourtant un gata parti. Jean. Eh ben, on moko n'a gata parti. Zéla n'a chuté, on a chuté. Kabunda n'di ma kende. Il y a une différence. Le feu, c'est Kabound qui est Kabouya plutôt. Na Kenya, qui a la base. Na Kenya, le peuple congolais s'attaquait à la députée pour une cause d'intérêt général. Pour la loi de finances, na bango. Ba y a quitté la Marambois privé. L'UDP, c'est un fait privé. Boutique ici, je n'ai pas eu détruire le palais du peuple. Obino Botongati. Merci beaucoup, Mwalamboka. Maton Domingue Deko. Mais tout aussi, Sanayo, Ngonga et comme vraiment. Et si l'union. Élection. Vraiment. Élection à Sénat. Est-ce que Ndeko Idriss Mangala, Ndeko Samalou Konde, alors que Ndeko Idriss Peazala qui kuna mokambi na manyema, batebe baso baki azana mo passé mo mala moté. Na ozonga la cohérence. C'est vrai que c'était ça la thématique, mais na moyen était membre UDP c'est du misimiso moké. Vous savez, na nika na bungselo monde Ndeko Nanga à gauche à Lobia. Le chef de l'État a une parole qui a force de loi. Quand le chef parle, le reste doit suivre. Je connais à l'époque de Mobutu, il y a des gens qui ont accédé à des fonctions juste par lapsus, il y a chef. À Bengio, na Gradoana, et c'est-à-dire administration et landi. Et Tikali Ndengoan. Ah, donc on doit arrêter Kabila. Non, un rebelle. S'il vous plaît. Le chef de l'État qui a dit. S'il vous plaît. Ah, j'ai compris. Oui. S'il vous plaît. Vous confondez une promesse et une déclaration politique. Non, sa parole à force de loi. Oui, mais c'est quand il s'agit d'un acte qui engage la fonction. Ah, donc ça change à l'image du... Ah, bon. C'est la même personne qui parle. Bon, je vous explique. Bouche. Laissez-moi vous expliquer. Okay. Ne confondez pas une déclaration par voie de presse et une qualification, une promesse faite à quelqu'un de manière directe. C'est à ce niveau-là qu'on arrive. C'était pas public. Non, on ne parle pas des publics. Ouais, on parle d'une promesse, d'un langage, d'une promesse du chef de l'État. C'était dans une réunion privée. Bon, on a dirait ça tolérante. Non. Tant qu'il est encore chef de l'État, sa promesse est intemporelle. Tant qu'Azana Nouana continue de croire, ça le coûte. Quand le chef te dit, Nagonomeo, Kobimisamote Zalro, la chef, Alobaki, mais 6 mois après, non, quand le chef te promet, il n'y a pas de temps dans ça. Ça peut arriver même 2 minutes avant Yakende. C'est pas le cas. Quand le chef de l'État promet quelque chose, tant qu'il est encore chef de l'État, il faut espérer que ça va arriver. Ce qui est comité, Yango Yalobaki, la déclaration, tose là, soit à la fin du mandat, soit à Kende, comme ça, on établira un jugement de valeur. Et là, on a gagné à Bungsangwana. Mais deuxièmement,
n'a apporté précision parce que tu voulais entrer dans ça. Il y a une différence entre le chef, quand le chef de l'État évoque un élément qui est des compétences de droit et le chef de l'État qui évoque un élément qui est des compétences de l'administration. En tant que chef de l'exécutif, quand il appelle Normie, madame, la présidente, il y a commission de la jeunesse. Puisque c'est le chef de l'État, l'administration doit suivre ce qu'il dit. Mais ce n'est pas le cas quand il s'agit d'un fait de justice. Le chef de l'État n'est pas là pour qualifier les infractions. En matière exécutive, c'est lui le chef. Mais en matière de droit, on a pris le soin de séparer les pouvoirs. Là-bas, ce n'est pas son domaine. Et cette erreur-là, le ministre de la Justice actuel, Aosala Mominga, a qualifié infraction. Maintenant, on l'arrête pour tel, il a fait ceci. Non, ce n'est pas à toi. Tu étais avocat, certes, mais maintenant tu es ministre de la Justice, tu es politique. Laisse au cours de pouvoir définir, le juge de pouvoir qualifier une infraction après un procès en bonne et due forme. Nazonga, force progrès, par exemple. Ces jeunes-là sont la preuve qu'il y a eu un peu de léthargie. Vous savez, tant que l'UDPS a un terrain, tant que l'UDPS a un combat, il faut un bon leadership pour pouvoir gérer cette catégorie de gens. J'en connais 5 qui ont trouvé leur place. Il faut trouver comment les encadrer. À force d'envie et comme force d'opposition en interne, il y a parti. Et le malheur, c'est que incapacité à gestion, il y a base, il y a eu des pèses, commence à porter préjudice à l'État. Pourtant, beaucoup qui parlaient du peuple, on a des armes en des pèses, vous réglez le problème, ok. Mais il faut faire valoir, là-bas, c'est les contribuables congolais, il faut que justice à côté. Il faut qu'il y ait réparation. Le sens logique du droit, c'est la réparation. Il ne faut pas réparer. Ceux qui ont été banés, on a réparé. Bato, batindaï, bango. Ce sont les instigateurs. Bango, il faut pas y aller. C'est ça aussi la punition qui permettra ce que. Bato, on doit comprendre. Va éviter. Va comprendre Mbalasima. Ceux qui ont été comme une mission interne, ils sont en permanence. Mais ceux qui ont été dans le palais du peuple, il y a une manière d'être. Il y a l'éthique à observer. C'est ça le grand problème. Ceux qui ont été embrassés, je chute en quelques secondes. Le problème n'est pas Nanya Kozoato, Nanya Ozoa. Aujourd'hui, on est, je l'ai dit ici, Banjo Ezaka Tokomina, fin un mandat constitutionnel, il y a eu des pèses. Les enjeux sont énormes. Il y a Félix Tshisekedi. C'est-à-dire l'UDPS doit trouver comment pérenniser son pouvoir. Ce qui fait qu'au niveau du Sénat, l'UDPS a relingaté. Mais le coup, là, c'est le dernier mandat. Et que c'est un protagoniste. On sait tous que c'est quelqu'un qui rêve de la présidence et que c'est un prochain, futur adversaire. Bouti gagne la défense, c'était surtout pour quelqu'un qui maîtrise. Fallait les mettre ailleurs, trouver quelqu'un d'autre pour pouvoir gérer. Ça, ce sont des faits politiques en interne. Malheureusement, Bazoui Moutoubatiwana, il ne pèse pas et il ne vaut pas. Il ne devrait pas être là. C'est mon grand frère, mais je le voyais bien. Yendaz en a transport, on a des histoires de management. Mais la défense, en tout cas, est à repos là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le Sénat. La peur, c'est que, est-ce qu'on peut laisser déjà, l'UDPS a une peur bleue dans le ventre d'avoir laissé l'Assemblée nationale à Vital Kamerhe, qui, si on doit s'en tenir aux accords, est le dauphin de Félix Tshisekedi. Maintenant, il faut créer un rapport de force. Il faut qu'au niveau institutionnel, l'UDPS soit en mesure de négocier aussi de manière directe sans passer par un allié. Même Mamboudoubé était à Kabouya. Au Kabouya, il doit partir parce qu'en interne, on estime que Banjo Ezoya, ce n'est pas l'homme de la situation. Lui, il ne saura pas gérer les dialogues, les conciliations. Il ne saura pas fédérer les forces politiques. Il ne saura pas fédérer les forces politiques pour parler au nom de l'UDPS. Il n'a pas le bagage, il faut qu'on remplace. Balinga qui va Mbappé s'est sorti au nom de l'UDPS. Il a dit qu'il n'a pas de bagage. Quand moi, je dis ici, vous allez commencer à dire oh non, tu as le bagage. Le bagage politique, et je l'utilise au conditionnel. Mais c'est ça. Il ne te contredit pas. Je ne te contredit pas. Je veux juste que ça soit comme ça. Tout le monde a constaté que Kabouya n'est pas capable de pouvoir
faire les choses comme il doit partir. C'est ce que j'ai dit, je transporte le propos de gens en interne qui le pensent comme ça. Mm-hmm. Et ce qui fait que Banga APC est sorti honorifique, Balobite, est-ce qu'on croit qu'il y a un bureau et Assemblée nationale Aboy, une manière à comprendre Aboy. Bah, Sénat, Aboy. Parce que, ah ouais, ouais. Le col les a eu des pèses. L'Ikolo a reçu la décision de qu'il y a un soubassement. Il y a des gens qui... faut baser là, base à des avoués pour que l'Ikolo soit acte. C'est ça le problème à partir de masse. Il y a un moment où il y a des crescendo, Fédération Lukunga, Fédération Tchang, Fédération Nani. Donc, il fallait comprendre, il y a des missionnaires. Normalement, il fallait quitter la chose. Et ma bête, c'est quoi, il y a un soubassement politique de l'Ikolo Toloba. Confiance à la chef d'État, c'est non, sois calme. Il y a des gens à qui le chef d'État dit, t'inquiète. Tu seras ministre. C'est ça son problème. Et à ce niveau-là, je crois que va trouver un moyen, va résoudre en interne, mais va dégager, va saluer en tout cas l'État qui est. Mais on a aussi vu ça. Idée au Yorkendeko engager un procès contre la police sous prétexte que Nani mais doyer mission c'est ça parce que ban est à force du procès Bazaki wana c'est tuer la justice. Faut arrêter ça. Faut battre Kailo quoi. Aller entendre des généraux de la police juste pour une affaire ou parce que Moutoumou a une contre-information. C'est donner de galon à des gens qui n'en ont pas. Et ça, c'est la faiblesse. Il y a gestion en interne, il y a eu des pestes. Il ne faut pas bon ça, mais ils ont affecté l'État. Ils ont affecté l'État. Vous qui parlez du peuple, le secrétaire général actuel n'a pas les épaules pour porter un parti comme l'UDPS. Oui, mais à l'UDPS, il n'y aura forcément plus personne parce que l'UDPS a été taillé sur mesure à la tête de Tchèque Tshisekedi. Aujourd'hui, la gestion est collégiale. C'est la fin de l'audition. La gestion est collégiale. C'est tellement bien qu'on a vraiment besoin de rester, mais la télévision, c'est le cas. Là, il n'empêche pas nos conseils. On se retrouve prochainement. Bon, Lucas Moubak, et bon, Zélie, ça y est.